Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dans les vastes et solennelles enceintes du Palais des Congrès de Yaoundé, le 30 avril 2024, s'est déroulée une rencontre d'une importance capitale pour le pays. Sous la présidence éminente de Marcel Nyandji Fangi, une figure éminente de la scène politique camerounaise, le bureau de la Chambre haute, organe stratégique et décisionnel, a pris place pour débattre des enjeux cruciaux qui façonnent la vie institutionnelle du Cameroun. L'objectif de cette réunion, première du genre pour l'année législative en cours, était de faire un point exhaustif sur la situation administrative et budgétaire du Sénat. Ces deux piliers fondamentaux de son fonctionnement ont ainsi été passés au crible, avec une rigueur et une méthodologie exemplaires, reflétant l'engagement sans faille des membres du bureau envers la gestion transparente et efficace des affaires publiques. Le président Nyandji Fangi, en sa qualité de guide éclairé, a su insuffler un esprit de collaboration et de détermination au sein de l'Assemblée. Son leadership éclairé a été le moteur d'une séance dynamique et constructive, où les membres du bureau ont pu exprimer leurs préoccupations et leurs idées en toute liberté. Dans un climat empreint de respect mutuel et de volonté de progrès, les discussions ont été approfondies et riches, démontrant la volonté commune de trouver des solutions pragmatiques aux défis auxquels le Sénat est confronté. Parmi les points saillants de cette réunion, deux sujets ont retenu particulièrement l'attention, la situation du personnel administratif et l'examen minutieux du fonctionnement budgétaire de la Chambre. Pour aborder ces questions complexes de manière approfondie, deux commissions spécialisées ont été constituées, chargées de formuler des recommandations concrètes dans un délai de 15 jours. Cette démarche démontre la volonté du Sénat d'agir avec célérité et efficacité pour résoudre les problèmes structurels et opérationnels auxquels il est confronté. Au-delà de leur dimension technique, ces débats revêtaient également une importance symbolique et humaine. En effet, cette réunion a offert l'occasion aux membres du bureau et au président de renouer les liens après l'élection du nouveau bureau en mars dernier. Ce moment de communion et de partage témoigne de l'unité et de la solidarité qui règnent au sein de cette auguste assemblée, animée par un désir commun de servir au mieux les intérêts de la nation camerounaise. En conclusion, la réunion du bureau de la Chambre haute du Sénat camerounais, présidée par Marcel Nyandji Fangi, a été un moment crucial et significatif pour la vie institutionnelle du pays. Avec un engagement remarquable envers la transparence et l'efficacité, les membres du bureau ont examiné en profondeur la situation administrative et budgétaire du Sénat, démontrant ainsi leur dévouement envers la gestion responsable des affaires publiques. Sous la direction éclairée du président Nyandji Fangi, cette réunion a été marquée par des discussions animées et constructives, reflétant la volonté commune de trouver des solutions pragmatiques aux défis auxquels le Sénat est confronté. L'établissement de commissions spécialisées pour approfondir les questions sensibles témoigne de la détermination du Sénat à agir avec célérité et efficacité. Au-delà de son aspect technique, cette réunion a également permis de renforcer les liens entre les membres du bureau, créant ainsi un climat de solidarité et d'unité au sein de l'Assemblée. Cette communion témoigne de la volonté partagée de servir au mieux les intérêts de la nation camerounaise. Cette rencontre, par son sérieux, son professionnalisme et son engagement envers l'intérêt général, illustrent parfaitement la volonté des institutions camerounaises d'œuvrer pour une gouvernance transparente et efficace. Pour suivre de près les développements politiques nationaux, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun, votre source d'informations fiables et objectives. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.